un petit peu à poil et continuer à vous parler de cheveux. Vous êtes nombreux à me dire, oui, Camille, tu te touches beaucoup les cheveux. Mais alors, je rentrerai pas dans les détails, mais suite à une opération que j'ai eue il y a quelques années, j'ai dû me faire opérer, j'ai eu une opération au niveau du crâne et j'ai une cicatrice, une belle cicatrice même dans les cheveux parce que j'étais rasée un côté de la tête et j'ai tout le temps peur que ça se voit et c'est un petit peu la raison pour laquelle je passe toujours ma main dans les cheveux. Donc je suis désolée pour les personnes que ça dérange, mais voilà, c'est ma hantise qu'elle puisse se voir. Et je voulais vous montrer encore, regardez, je suis trop contente. Vous savez que je fais des cures Curali parce que j'avais perdu pas mal de cheveux. Mais quand je vous dis pas mal, c'était vraiment beaucoup. Et regardez, j'ai tout qui repousse grâce aux petits... je ne montrerai pas l'autre côté, mais voilà, je suis trop contente. Plein de petits baby hairs comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Curali, c'est des petits bonbons. Je vous les montrerai. C'est 100% vegan, 100% français, 100% naturel surtout. Et franchement, les résultats, ils sont dingues.